Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 11h05. Je suis de retour à la maison. J'allais faire l'épicerie, je ne vous ai pas reparlé ce matin. Mais on est dimanche matin, fait que j'allais faire une pas pire épicerie. Ça m'a coûté juste 140 piastres, c'est quand même pas super. J'ai pas mal de choses. J'ai acheté des choses pour faire de la sauce à spaghetti, faire des coquillettes à l'italienne, faire une lasagne, puis faire d'autres choses. Fait que je vais vous montrer ça en fur et à mesure. J'ai acheté un céleri. Un céleri, oui. Ma fille est juste à côté. Fromage feta parce que j'ai fait cuire du couscous et du quinoa en fond. Je vais faire une salade mixte. J'ai racheté des oignons. Tu es allée les mettre dans la garde-robe? J'ai racheté des carottes, mais je sais que j'en ai un sac dans le frigo en bas. J'ai acheté des cocos. Ça va au frigo. Ça, on va mettre ça aussi dans l'armoire. À même place que les oignons. Deux trucs de coco. Deux. Du bouillon de poulet. Parce que là, cette fois-ci, je vais faire la recette de sauce espagne en double. Pour en avoir sûr d'en avoir beaucoup. Du jus de pomme deux fois pour mon chum. Pour mon chum, pour ma fille qui adore le jus. Une journée aujourd'hui, c'est vraiment, ça va être une journée de ménage quand même. Finale. J'ai pas d'autre montage de vlog à faire à part lui d'aujourd'hui. Puis je vous ai mis un petit vlog en ligne. Ici, un petit vlog, il dure quand même 30 minutes. De mon séjour à Rivière-du-Loup. Fait deux trucs de jus de pomme. Trois trucs de tomates broyées. Du sirop d'érable, parce que c'est bon avec des gommes, ma fille tripe sur le sirop d'érable. Deux cannes de poire de tomate. Je sais qu'il m'en reste, mais au cas où que je n'étais pas sûre. Ensuite, un mélange à poulet canneberge. Tartinade de jambon. Des tranches de jambon. Du bœuf haché pour faire les coquillettes à l'italienne. J'ai racheté des fraises. Mon vin pétillant sans alcool que j'adore. Deux trucs de sauce. Pour faire la sauce espagne, pas la sauce espagne, mais la lasagne. Un autre tomate broyée. Un autre bouillon, mais de légumes cette fois-ci. C'est quand même pas mal de choses, hein, pour 140 quelques pièces. Des piments. De la laitue pour faire une salade. Des bartendes. Des bananes. Deux brocolis. Je me suis vraiment aussi garnie en légumes puis en fruits. Un concombre. Du fromage pour la lasagne. Il n'était pas spécial, mais j'en voulais. Des biscuits, d'autres bartendes, une canne de tomates en dés, une autre en dés. Parce que oui, je vais utiliser mes tomates. Puis, hey, la récolte a été bonne, mais tellement bonne. Quand on est arrivé hier, toutes mes tomates que j'avais exposées ici sur mon four sont toutes rouges. Puis toutes ceux qui étaient sur mon coin de ma fenêtre étaient toutes rouges. Puis j'en ai cueilli d'autres, et ça donne tout ça de grosses tomates. On peut se faire des tours de tomates, puis je vais pouvoir en mettre dans la salade de quinoa, puis dans la sauce asparagus, puis dans les coquettes à l'italienne. Puis je vais pouvoir utiliser ma récolte avec ça que j'ai récolté aussi. J'en ai un peu qui date de ma dernière récolte. Puis notre coton qu'on a récolté hier, moi et ma fille. Puis aussi, j'ai reçu ma commande de Bath & Body, puis je vais pouvoir vous la montrer au cours de la journée.
ou demain au courant de la semaine parce que ma fille recommence la garderie tomorrow. Puis aussi, ben, j'ai commencé la série Budget River. Je l'ai écouté chez ma mère, mais j'ai écouté un épisode et demi. Là, je suis rendue au deuxième épisode, mais ça poignait juste mon cellulaire. J'étais pas capable de transférer mon cell sur la télé. Ça marchait pas. Fait que je me suis dit, aussi bien l'écouter à la maison. Je revenais hier. Puis toute la semaine, ma fille va à la garderie à temps plein. Fait que je vais devoir m'occuper pendant les journées. Puis entre deux recettes que je vais cuisiner, ben, je vais pouvoir écouter la télé. Puis faire d'autres choses. J'ai acheté des pommes, c'était 6,99$. Un petit paquet de carottes. Deux petits mini paquets de framboises. Je pensais qu'ils étaient plus gros que ça, mais ils sont miniatures. Puis je vais me faire du bouillon overnight aussi pour mes déjeuners. Un autre bouillon de poulet. Deux trucs de jus d'orange. Une banane. Fait que je vais ranger mon épicerie. Puis on va se reparler après. Oui. Fait que c'est ça, je ramasse mon épicerie puis on se reparle plus tard.
vous allez bien. Je suis en train de faire ma bonne sauce asperg. Mais c'est une nouvelle recette que j'essaie, que j'ai inventée de toutes pièces en me basant sur les autres recettes que j'avais faites, dont celle de Ricardo puis toutes. Là, je l'ai faite végé, sans viande. Elle a vraiment l'air d'avoir bien pogné, puis qu'elle va être super bonne. J'ai pas mis les mêmes ingrédients que je mets d'habitude, j'ai mis d'autres ingrédients. C'est vraiment, comme je vous dis, j'ai essayé de toute pièce l'inventer avec les quantités que je prenais avec celle de Ricardo, comme je vous disais. Puis, il m'est venu une petite idée pendant que j'écoutais Virgin River puis que j'importais les clips du vlog d'aujourd'hui. Il m'est venu l'idée de partager mes recettes au lieu que je vous les montre dans chaque vlog. Puis que je vous explique à chaque détail dans chaque vlog. Parce qu'à un moment donné, ça vient, pas que ça vient redondant, mais quand je vous explique tout le temps la même affaire, parce qu'il y a des recettes que je fais quand même assez souvent. J'avais envie de, si ça vous intéresse, attends, il y a quelques personnes qui m'ont répondu sur Instagram parce que je l'ai partagé sur Instagram. Si vous aimeriez que je fasse, j'avais un blog dans le temps où que je bloguais. Je faisais des blogs, des vlogs, en tout cas, je bloguais, je ne sais plus comment j'appelais ça. Des vlogs en écriture, puis je bloguais, puis je partageais plein d'affaires. J'avais même partagé dans les débuts que je faisais des vidéos sur mon blog. Puis là, ben, j'ai eu une idée, j'en regardais comme ça, puis je cherchais des recettes. Puis il m'est venu envie de partager mes recettes que je fais pendant mes vlogs sur mon blog. Puis à chaque vlog, je mettrai le lien en bas de description de mon vlog. Que vous puissiez aller voir les recettes que je fais. Puis ils vont être toutes, chaque recette, vous allez pouvoir les retrouver dans la barre description. En haut, des fois, dans la recherche de vlog, vous êtes capable de retrouver. Puis, quand ça va être des recettes qui vont avoir été comme de Ricardo, puis tout, que j'aurais pas modifié pour que ce soit à mon goût, puis tout, admettons, je vous mettrai le lien pareil en dessous des vidéos. Bonne idée de partager en vlog, mes recettes. Ça va vous donner des idées. Là, je suis en train de faire cuire du bœuf haché parce que je vais faire des coquillettes à l'italienne avec mes tomates. Puis je vous ai pas montré ma commande Bath & Body finalement. Mon chum est parti à la bibliothèque avec Amelia. Il doit revenir bientôt parce que la bibliothèque va fermer. J'ai aussi, je vais aussi mettre ma salade de quinoa sur le blog, inquiétez-vous pas. Puis, j'ai ajouté des pommes pour faire différent et c'est vraiment bon. Là, demain, je pense, là, aujourd'hui, j'ai comme cuisiné des repas. Demain, je vais faire une lasagne que je vais mettre congelée pour bébé 2, avec bébé 2 arrive. Je vais faire un pain aux pommes et courgettes et un pain maison canneberge et avoine. J'avais acheté celui de chez Cégep, comment il était super bon, mais je vais essayer de le reproduire. Je sais pas si ça va marcher, ça sera peut-être pas pareil, ça va être les fameux pains que je fais d'habitude, mais on sait jamais, ça peut être aussi bon pareil. Fait que... Fait que c'est ça. Je mettrai pas de champignons parce que j'en ai pas. Mais je vais essayer d'aller écrire mon blog. Mes articles de blog peut-être aujourd'hui ou pendant la semaine. Maintenant que j'ai pas fait de ménage aujourd'hui, j'ai pas vidé les valises puis tout là. Je me suis plus concentrée à cuisiner. Mais ça c'est pas grave là. Moi je vais avoir de la pop de fête. Bon, puis moi la sauce asperg, je vais en avoir quand même de fête. Là. Dans la recette de spag que je fais, la sauce à spag, je veux dire, j'ai pas marqué. J'ai marqué les quantités.
J'ai marqué quand même les bon, les ingrédients, puis les quantités, puis un petit peu la préparation, mais j'ai pas écrit le nombre que ça donne parce que je vais voir dans des pots après comment ça va donner de quantité. Sauf que moi, je mets ça dans des plats Yego. Je sais pas si pour vous autres, ça peut vous indiquer. Puis, je vais aussi vider mon lave-vaisselle, comme d'habitude. Quand on cuisine, ça fait de lave-vaisselle. J'ai seulement un rendez-vous le 12 septembre. C'est le rendez-vous pour mon suivi de grossesse. Même si j'aurais pas grand-chose à leur dire parce que on s'est vu il y a deux semaines. Lol. Mais je pense pas qu'il va y avoir grand-chose qui va savoir. J'ai aussi mon échographie à 32 semaines. Pour vérifier si mon placenta s'est replacé. Et mon rendez-vous est le 20 septembre, la journée que je reçois mes allocs. Là. C'est la première occupation double. Si l'occupation double commence ce soir, avez-vous hâte? Moi, je vais sûrement les écouter quand ma fille va dormir. C'est vraiment bon, Virgin River, là. Je vous conseille à tous, si vous connaissez pas ça, là. C'est vraiment trop bon. Puis, demain, on est déjà le 11 septembre, en passant. C'est les séries qui commencent! Donc, Stap, que j'ai tellement hâte de recommencer. Cœur battant, la saison 2 a l'air tellement meilleure que la saison 1, puis que ça reste à voir. Puis je me souviens plus c'est quoi les autres que j'écoute. Vraiment, il y a sûrement des nouvelles séries qui vont commencer. J'ai starté ma deuxième brassée de vaisselle. J'ai avancé un peu les vidéos de Marie 2.0. 3.0, c'est les deux de maman. Donc là, je vais couper mon oignon. J'ai mis des glottes de maternité, mais elles sont comme grandes et petites. Elles sont comme à la fois grandes et petites. Parce que comme je vous dis, j'ai vraiment une plus grosse bédaine que vous pouvez le constater. Une bédaine de 31 semaines. Bientôt 32. Puis aujourd'hui, on peut enfin s'habiller en automne, les amis, hein? Fait que je commence mes petites recettes d'automne. Comme les pains aux fruits et légumes. Mes recettes de pommes. Éventuellement, je vais aller me cueillir des pommes. Je sais pas quand est-ce, peut-être en fin de semaine prochaine. Et demain ou cette semaine. Ou dans les semaines à venir, je vais commencer à faire mes sacs d'Halloween. Commencer d'avance. Il n'y a pas de mal à ça, hein? J'aime pas l'Halloween. Mais faire des petits sacs, donner des bonbons, décorer. J'attends de voir que d'autres maisons vont commencer à décorer pour que je puisse décorer la mienne. Là, je suis en train de couper mes oignons. Celle-là aussi, je vais la mettre sur le blog. Ça, c'est une recette de ma marraine. D'habitude, on aurait mis des champignons. Mais là, j'en ai pas, puis mon chien n'aime pas ça. Ma fille, elle s'est faite gâter par ma mère et ma belle-mère. Puis je vais sûrement vous montrer ça aussi. Au courant de la semaine, là, comme je vous dis, je vais pouvoir vous montrer et vous parler de plein d'affaires pendant la semaine en dehors de mes rendez-vous. Je dis que j'avais trop de mettre en jeu ici. Alors, je disais. Je viens de réaliser que j'ai même pas mangé. J'ai même pas mangé ma canne de chef Boyardie chez ma mère. Mais je pense pas faire ma lasagne avec ma sauce à spaghetti. J'ai comme envie de l'économiser et de la mettre au congélateur. À place.
Je me suis inscrite aussi aux cuisines collectives. Ils vont commencer au mois d'octobre. Je vais ranger ma vaisselle propre. Je vais aller ranger un peu mon linge à moi, qui est propre. Tout est propre. Vider la table pour le souper. Parce qu'il est déjà presque 5 heures, en passant. Fait qu'au moins aujourd'hui, je suppose que je vais vous donner un vlog qui a de l'allure, où j'ai cuisiné au moins 3 recettes. Vous parler, vous montrer mon épicerie. Puis demain, je vous montrerai ma commande Bath & Body. J'en aurai plus de temps de lousse. Fait que c'est ça. Nous, on va se reparler plus tard. Si je vous reparle pas d'ici la fin de la soirée, ben je vous souhaite de passer une belle soirée. On va se retrouver demain matin. Puis, c'est ça, je vous aime.